Hop, c'est bonsoir, 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 bonsoir. Ah, ça fait quoi? 2 semaines, 3 semaines que j'ai pas fait de Master System? Je dois avouer, je savais même plus à quel jour c'était arrêté la dernière fois. Bon, après, en voyant la liste, c'est rapidement revenu. Alors, tranquillement descendre dans les menus, le temps que les gens arrivent. Tiens, puis non. En attendant que les gens arrivent, je vais même lancer. Parce que on va pas rester sur cet écran, sinon je vais de nouveau oublier après de changer. Ce qui serait un peu trop redondant avec ma capacité à toujours oublier de faire quelque chose correctement. Qu'est-ce que je vais lancer? Allez, deux circuits. Ah, deux circuits, donc mon premier jeu de course, hein, pour ceux qui ne savent pas. Enfin, en Europe, ça s'appelait World Grand Prix. Si vous avez fait attention au menu d'accueil, ben vous avez vu. Oh là là, catastrophe. J'y suis pas du tout pour le moment. On va dire que ça va me laisser le temps de reprendre tout ça en main. Après une semaine passée où j'ai pratiquement que joué à Alex Kidd. Non, pas, 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 pas. Ok, ça passe. Ça se passe un poil mieux maintenant. Gros virage. Et je me prends en voiture, putain. Bon, je suis pas du tout. Je crois que c'est 1 minute 9, un truc du genre, normalement, pour finir ce circuit. J'y suis pas du tout. Punaise. Heureusement qu'il n'y a pas de jeu de course ce soir. Je crois que mon cerveau n'y est pas pour le moment. Hein. Finish, 1 minute 37. C'est quoi l'objectif? On me l'affiche même pas. Je suis juste viré de l'écurie. Tellement lent le mec. Bon. Bon, j'ai fait mon petit échauffement qui s'est mal passé, mais c'est pas grave. Ce soir, du coup. Oh putain, c'est nouveau bugué. J'avais pas vu. Mais quel idiot! Pourquoi c'est bugué? Hop, voilà. Ça fonctionne de nouveau avant que je lance ce stream. C'est quoi ces conneries? Espérons que ça s'affichait quand même avant, vu que j'ai pas regardé pendant que je jouais. Ce soir, du coup, on a Dino Basher de Codemaster, qui a priori c'est juste un proto qui n'a pas été sorti. Mais il y a la jaquette, donc honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. Avec l'homme de Cro-Magnon Groné. On va faire Dinosaure Doulet, qui me fait penser à. Je sais pas quoi, mais j'ai déjà vu cette jaquette. Donc. Doki Doki Pingouin, évidemment. Bah, j'espère que c'est une version upgradée de la version SG-1000 quand même. Et puis après. Hein. Testostérone! Testostérone! À peu près. Enfin voilà, on va lancer Dinosaur Bash. Non, Dino Basher. Taper du dino. C'est bien.
L'avantage des dinosaures, c'est que comme c'est une espèce éteinte, on a le droit de les faire s'éteindre en jeu encore. Avec le classement des meilleurs Néandertal, évidemment. Oh, on peut jouer à deux. Bon, je vois bien que c'est de l'alterner. D'accord, donc en fait, il veut juste manger le ptérodactyle, parce qu'il voit un gros poulet. Soit. Est-ce que je peux faire quelque chose là? Non. Je suis sur l'île du paradis. Ok. J'ai un timer, des vies. Tiens, c'est moi, il y avait un genre d'effet de lumière. C'est un pont ça? Ou je saute au-dessus? C'était une expérience. C'est juste pour savoir si j'ai le droit de mourir. Pas de gros challenge pour le moment. Après, c'est le premier niveau, hein, donc. Oups! Oh punaise. Est-ce que ça va être un de ces fameux jeux où je suis pas foutu de passer le premier niveau? Allez. On va pas regarder de nouveau la petite cinématique. Voilà, on est bien, on avance. Bon, les sauts se gèrent bien. Pour le moment, en tout cas, j'ai, comme dit, il n'y a rien de compliqué pour le moment, mais il se gère bien, faut le dire. Oh punaise, mais. Pourquoi il balance pas les cailloux cette fois? Oh punaise! Là, il en balance, pourquoi il en balance pas juste avant? Yes. Oh là là. Ah d'accord. C'est, les cailloux ça fonctionne comme les anneaux de Sonic. On peut dire ça. Peut-être. Une fois que je me fais toucher une fois et après j'ai... Ouais donc là j'ai plus les cailloux, c'est ça? Oh shit. Bon bah... Il fait demi-tour trop vite le machin. Oh punaise. Blablabla. Donc, je sais pas à quoi servent ces os. Mais pourquoi je fais ça? Je sais très bien qu'il doit faire demi-tour. Mais attends, il s'arrête là, forcément. Ah non. Il peut continuer son chemin et me défoncer plus loin. Et en plus, il fallait que deux coups. J'ai réussi à crever, quoi. J'ai fait trois continues. Enfin, trois continues, trois game over plutôt. Oh là là. Ouh.
Ah. Meurs face à la puissance de mes cailloux. On va essayer d'avancer prudemment. C'est pas ma spécialité, hein, mais... Non ! Qu'est-ce que j'ai foutu ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? En plus, j'ai vu ce que je voulais pas faire. Non ! Oh putain. Ça y est, je commence à faire n'importe quoi, c'est la panique dans ma tête. Est-ce que je peux te taper là-dedans ? Non, ça fait rien. Mais non. La hitbox est assez généreuse. Malgré que le coup a l'air un peu court. Oh non, ça sent le boss là. Non ! Non, pas toi ! Laisse-moi tranquille. Non ! Oh, je suis game over. Loser avec deux O parce que tout le monde sait que les vrais losers écrivent. Oh, et puis j'arrive. Les vrais losers, ils ont deux O tellement ils sont mauvais. Bon, allez, on relance. Le jeu est sympathique, mais par... je déteste ces triceratops, ça. Enfin, c'est abusé. Si je peux pas balancer mes petits cailloux là, ils me défoncent. Il se retourne tellement vite. Allez. Bon, point positif, je commence à maîtriser le gameplay. En phase sur commence et sur maîtriser. Allez, j'ai plein de cailloux là. Il est pas mort. Avant j'ai commis deux coups et puis il était mort. Ah, peut-être que j'avais touché deux fois avec les cailloux. Bon, c'est pas grave, je suis passé sans perdre de vie. Vas-y, cours après ton ptérodactyle là pour manger. Est-ce que j'en ai quatre? Oh, ils vont super vite du coup. Quand même sympa cette petite mécanique un peu schmepesque, on va dire. Oh, cette violence. Ouf. Les tirs partent tellement vite que les ennemis n'ont pas le temps d'arriver. Ok, ok. Et là, du coup... Non, c'est... Je suis pas... maximum de la puissance. Ok, ok. Je suis en vie, j'ai pas perdu de power-up ni rien. Ouf, j'ai eu chaud. Non ! Non ! Oh, mais... Oh, en plus, j'ai plus qu'un seul petit caillou! Ah, c'est bon. C'est bon, ok. Donc ça, en fait, quand on n'est pas game over, ça retient combien de points de vie il a perdu, c'est pour ça. Ouh, allez, je suis au troisième niveau, là. Soit, on va dans sa lumière. Les deux, ça sert à acheter des trucs, mais oui, je sais pas quoi en faire, moi.
Ah zut, j'aurais peut-être quand même dû au moins acheter quelque chose pour voir ce que ça donnait. Bon du coup, non, ça start ne fait rien. Sérieusement, je vais faire un saut de l'ange là. Allez, c'est parti. Oh non, je peux pas revenir en arrière. J'ai eu chaud. Non, il m'a touché. Pitié, amenez-moi un power-up quelque part. Ces machins sont trop énervés. Ah, voilà. Ils vont trop vite, j'ai pas le temps de réagir. Le jeu est devenu subitement très dur. Là du coup. Oh, ça sent le boss et j'ai qu'une seule vie. Non ! On peut pas se baisser. Oh, oh merde, il pouvait me tirer à bout portant. Bon, je pense qu'on a fait un petit tour sympathique. Vu que je suis arrivé au troisième niveau, je vais mettre mon nom. Zelos. Yes, je suis quatrième meilleur score. Bon, honnêtement, une bonne surprise. Surtout pour un proto, il est plutôt bien foutu. On va laisser la démo tourner. Et en plus, il y a multiples chemins, en fait. On meurt pas forcément si on tombe dans le trou. C'est... Franchement, le jeu est étonnamment cool. Je sais pas s'il a une sortie sur d'autres consoles, je vais checker ça. Parce que franchement, c'est plutôt dommage qu'il ait été annulé sur Master System. Donc si on joue à deux, c'est du de l'alterné. Bon, c'était prévisible. Ok, c'était un portage d'un jeu sorti sur NES en 91. Il y a quatre grandes îles à explorer. On peut faire des échanges, voilà, blablabla. Il avait été envoyé au magazine Sega Power qui lui a donné un 42%. Alors franchement, c'est plutôt dur. Autant, je veux bien qu'il y ait des jeux plus jolis et mieux foutus, mais il est quand même bien sympa, quoi. Bon. Je pense qu'il avait son petit potentiel, quand même. Allez, du coup, ben, on va lancer Dinosaur Dooley. Dooley, je ne sais pas comment on dit, mais c'est pas grave. Alors. Ah, un jeu de 91, 93. C'est pas un jeu SG-1000 pour le coup. Beaucoup trop de couleurs déjà à l'écran. Il va me sauter la gueule, il va me bouffer.
Ah, mais attends, j'y ai déjà joué, du coup. Ce pseudo shmup, là. Ils l'ont sorti sous plusieurs noms, en Corée, ou quoi? Bon. C'est bien que l'artbox me disait quelque chose, là, du coup. C'était un truc dans les A, je crois. Ça doit être tout au début. Et ben voilà. Agi Gong Nyong. Agi Gong Nyong, ouais. Douli. Mais ce truc est sorti qu'en Corée. Pourquoi il est sorti sous deux noms différents? C'est stupide. Il est passé où? Bah si, j'avais su, hein. Bon, on va quand même lancer une petite partie histoire de remontrer un peu. Voilà, c'est un dinosaure avec des lunettes de soleil. Ça se joue sur une pseudo-profondeur, un peu comme dans Point Beat'em Up. Mais tout semble être sur le même plan, mais il faut sauter pour accéder à certains ennemis. C'est... Le jeu est plutôt joli, mais ça s'imite à ça, quoi. C'est... En termes de jouabilité, c'était pas non plus incroyable. Ah oui, et on se rend pas compte quand on perd des vies. C'est-à-dire que là, j'ai déjà perdu 2 vies. Il me reste 3 cœurs dans ma dernière vie. 2 cœurs. Parce qu'on clignote un court instant, et c'est tout. Ce qui n'aide pas du tout à savoir... Voilà, c'est... Et donc, je suis game over. Oui. Oui, ça va vite, ça va vite. On a droit à des contenus, mais... Vu que je l'ai déjà fait... Je vous invite à revoir le... Premier ou deuxième stream, ça devait être. Sur YouTube, hein. Il y a quelques trucs sympas, mais il y a quand même beaucoup de trucs qui vont pas. Et du coup, on va lancer Doki Doki Pingouin. Hello Shenron. Ouf. On a beaucoup plus de couleurs que... C'est beau par rapport à la version SG-1000. Waouh. Par contre... Merde. Je voulais juste tester les touches, mais... Alors, c'est beaucoup plus beau que la version SG-1000. Par contre, j'ai l'impression que l'environnement est beaucoup plus violent aussi. Hein. Poup. Alors, par contre, on a aussi perdu le petit indicateur qui nous permettait de savoir à quelle hauteur on pouvait faire tomber le... Ah si, il est là en fait, j'ai rien dit. C'est le machin qui clignote, donc normalement là il casse pas. Yes. Par contre, si là je le fais tomber ensuite à gauche, il va casser. Et... Non, c'est cette touche que je voulais. Pourquoi je confonds les deux touches, hein. Chaque fois je fais la touche que je ne veux pas. Si on peut dire ça comme ça. Mais le jeu est beaucoup plus joli et beaucoup plus agréable que sur SG-1000. Hein. Ça, par contre, c'est... Si je connaissais pas le titre, je me dirais que c'est une suite. Est-ce que c'est considéré comme une suite, celui-là, en fait? C'est peut-être le cas. Est-ce que j'arrive à casser le bloc sur lequel je suis? Non. Non,
Il y a un ours en bas. Et attends, il va complètement se péter là, mon œuf. Sauf si je fais tomber sur l'ours. Est-ce que ça marche? On va tester. Ah non. Non mais comment ça l'ours il fait pas un amorti là? C'est bien connu que normalement que les ours font des amortis de la poitrine quand il y a un œuf qui leur tombe dessus. Bon, écoute, on va passer par là. Hein. Allez, moi ces petites animations et tout, c'est tout mignon. Mince. Alors, ça m'a posé souci ici, je crois. Je vais peut-être essayer de passer par là, du coup. Il y a quand même bien résistance, ce œuf. Hein. Ça fait plaisir. C'est pas un œuf de poule, pour le coup. Alors... C'est pas tout ce que je voulais faire. Ouais, c'est bon, c'est rattrapé. Je vais faire ça. Par contre, je vais pas descendre. Je vais me mettre ici. Qu'est-ce que c'est que ces cases là, les vertes et tout? Hop, hop, hop. J'ai eu chaud. Est-ce que c'est la sortie? Je dois mettre l'œuf sur celle de droite et moi sur celle de gauche? On va dire que oui. Yes. Ah bah, l'ours qui se fait bully par le décor. Tout va bien. Je pense que je vais devoir le faire passer par là. Ouais. En tout cas, ça a l'air relativement safe. Et avant qu'ils vont me tomber dessus les cailloux là. Oh, est-ce que c'est la fin du niveau? Non, mais quel con! Oh, mais non! Oh, sérieusement! Mais quel idiot! De quel côté j'étais passé? Celui-là, je crois.
D'accord, et maintenant je l'emmène où? Hello Rassanos, ouais, classique de la console, mais. Comment je finis le niveau exactement en fait? Si je prépare les trous à l'avance peut-être? Yes. Bon, j'ai usé mes deux premières vies quand même. Enfin, oui, si connement. Bonus. 37 secondes fois 50 points. Yes. Bon, par contre, je sais toujours pas qu'est-ce que ce pingouin fait sur la lune. Si c'est bien la lune. Alors. Tout ceci ne me semble pas très sûr. Et je suis pas très sûr de mon choix non plus là. Zut. Je crois que j'ai fait un mauvais choix. Je crois que je suis coincé. Sauf. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un aigle dans... Quoi? Je pensais que c'était un bonus ou quelque chose. Ah le salaud. Non, je suis game over. Bon ben... Ça se joue tout aussi bien que la version SGMI. Par contre, c'est beaucoup plus joli, ça, il n'y a absolument aucun doute. Et beaucoup plus agréable à l'oreille aussi. Qu'est-ce qu'il fait? On regarde un peu le CPU, hein, gérer. Ok. Le mode démo est un peu trop court pour savoir comment il s'en sortirait. Mais ouais, du coup, ne jouez pas la version SG-1000, jouez la version Master System. Tout simplement. Parce que. Bah, c'est juste mieux. Est-ce que. On va vite fait lancer quand même. Version SG-1000, juste pour le principe et la comparaison, parce que j'aime les comparaisons. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est pas la même, hein. Mais au... Non, quoi, on reconnaît quand même la musique, hein. Mais au moins, on n'est pas sur Mars. Ok, ça c'est le... Putain, il saute. Oh. Oh, c'est vrai, il y a des espèces de topias qui viennent nous chasser dès le début. Ça rendait le jeu vachement plus dur. Non, monte pas là-haut. Zut.
Est-ce que je peux les picorer? Non, je pourrais faire se battre avec les ours? Non plus. Bon. Enfin, je me suis déjà coincé du coup, hein, en faisant n'importe quoi. Enfin non, techniquement je peux faire ça. Et là... NON! Mais qu'il est con. Bon. Toki Doki pas un coin sur SG1000, c'est quand même plutôt joli pour de SG1000, mais ça vaut pas à Master System, quoi. Et oui, évidemment qu'à peu près n'importe quel jeu va être super sur Master System, mais c'est toujours bien de comparer. Du coup. Au final, je suis passé beaucoup plus vite que ce que je pensais sur... Bah, en même temps, celui-là, j'avais complètement zappé que... Je me disais que l'artwork me disait quelque chose, mais... Sans me souvenir que c'était un jeu que j'avais déjà fait. Et du coup, on a du double dragon. Ça, par contre... Je vais pas... Ouh, c'est bugué. Ah non, c'est juste, il y a pas la... Il y a le Sega qui est en... Hello Monsieur X, bah écoute, je peux faire du Super Smash TV, mais on n'y est pas encore, on est que au D. Comment on saute déjà? Ok. Ah, il me défonce déjà. Oh là là. Non, je sais qu'il est dispo sur Master System. Mais je l'ai fait dans l'ordre. Même si évidemment je pourrais... je pourrais pas dire si elle est bien ou pas parce que c'est la seule version de Double Dragon à laquelle j'ai joué. Donc... on y avait joué à deux avec un pote quand je l'avais acheté, mais... Le jeu me semble quand même super dur. Je vais pas se souvenir qu'on avait galéré autant quand on était à deux, mais c'est peut-être parce qu'on était à deux. Qu'est-ce que c'est que ce punk là-haut? Vas-y, viens, je te défonce. Non, il me défonce. Je le défonce. Je le redéfonce. Ne te relève pas quand je te frappe. Comment je fais pour ramasser? Ah voilà. Appelez-moi Indiana Jones. Eh oui, allez, couchez. Couchez, j'ai dit. Voilà. Oh shit. Couchez, couchez. Couchez, couchez. Restez tous couchés. Non, ça va, avec le fouet, ça passe. Mais sûr que quand tu vois débarquer un mètre de 2m50... Et 300 kilos. Non, non! Mon fouet! Mon fouet est cassé! Et là, il y a un mec tout rouge aussi. Oh shit. J'adore comme j'étais en train de frapper dans le vide, le mec il vient juste, il me fait un coup de pied sauter, je suis à terre. Oh putain, mais... Ouais non mais... Mais super... le jeu est super dur. C'est... Je me souvenais pas que c'était aussi dur. Ah mais ça va, il y a des continues, ça va. On peut avancer. Ah. Le boss de niveau. Ok, on nettoie la zone avant. Oh punaise. C'est le même qu'avant mais en rouge.
Alors, j'utilise la fameuse technique de Golden Axe, hein, de on va en arrière, on revient, on fait l'attaque au lieu de l'attaque sprintée, hein, c'est une attaque sautée, mais... Oh shit, il me défonce. Vas-y, à terre. À terre, je t'ai dit, connard. Yeah. Voilà. Niche game over. Bon, j'en ai eu un, enfin, j'ai utilisé un continu, mais ça compte pas. Ouais, regarde, t'as vu comme je suis fort. Approche. Je m'attendais tellement à ce qu'elle me foute à terre avec un vieux coup à la con. Yes. Jeter le bidon? Quel bidon? Les bidons qu'il y avait derrière? On peut interagir avec? Yes! Allez. Ah ah, tu as cru m'avoir avec ton coup de pied sauté. Ah ok. J'ignorais qu'on pouvait interagir avec. Une batte. Aïe. Vas-y, reste à terre. Moi j'ai balancé de la dynamite sur un mec. Oh punaise. Parfait, j'exploite l'IA comme dans Golden Axe, hein. Sauf qu'elle se suicide pas. Bah, double dragon, c'était quand même un peu... Ah! C'était quand même un peu la référence jusqu'à ce que il y ait du Final Fight et du Street of Rage qui rehausse le niveau quoi. Dernier point de vie là. C'est pas ce que je voulais faire, mais je pensais qu'il y aurait un bonus dedans. Oh punaise. Oh, il m'a défoncé. T'étais pas là? Il me semblait que j'avais exprès lancé... Ou c'est quelqu'un d'autre peut-être qui... Ouais, moi ça... Bim! Bim! Couché, je te dis! Reste couché! Non, pas moi, toi, reste couché! Oh non, mais... Est-ce que tu sais, Rastanos, si on a des... Continue à l'infini. Il me semble qu'on avait réussi à le finir avec mon pote, mais vu la difficulté du jeu, je pense pas qu'on ait été assez bon pour ça. Non, mais au pire, je relance après, hein, si... On peut revenir vite quelques minutes sur un jeu déjà fait. Ce n'est pas interdit.
Pardon. Ok, bon, on verra jusqu'où le jeu me laisse continuer. Ah ah. Ah, c'est peut-être qu'à un moment t'étais juste tellement épuisé mentalement de te faire défoncer la gueule que tu as abandonné. Par contre, les enfants, si vous vous doutiez qu'il faut pas abuser de la drogue, hein, voilà ce que ça donne. Vous devenez un punk à peau rouge. Oups. J'aurais bien réussi à les foutre à terre, là, histoire de... Yes. Toi aussi, reste à terre, là. Non, ma batte! Enfin, c'était pas la mienne, mais maintenant ça l'est. Allez, allez, approchez. Merde. Cette mort ridicule, putain. Oh non, la batte, je l'ai pas. Je crois qu'il y a deux baraquins en même temps à un moment. Ah. J'en vois déjà un. Allez, allez. Yes, un au moins en tout cas. Est-ce que je peux les faire tomber dans l'eau? Non. Bon bah il est mort. Vas-y approche. Ah ouais c'est ça, approche, saute. J'ai loupé mon saut, je suis comme mort. C'est la fin la plus tragique d'un héros. Oh mais non. Le mec il voulait sauver sa petite amie et puis au final, au moment de traverser un pont abîmé, il glisse et il loupe son saut, il tombe dans l'eau, il se noie. Fin. Oh putain, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. En même temps, là, dans la cinématique, il n'y a rien qui laisse entendre qu'il a appris à nager. Hein. Le jeu qui vient quand même pas mal. Hein. Bon, et vu qu'il n'y a que 22h50, on va relancer. En même temps, pourquoi est-ce que je pars à pied? Alors que là, j'ai une voiture, sauf si elle n'est pas à moi, mais... Mmh.
Le fouet. Je vais en avoir besoin. Ah, je débloque plus. C'est comment ça se fait qu'on le perd forcément après ce combat? Je dois avouer que j'ai pas fait attention à la musique jusque là. C'est vrai qu'elle est simple. Oh, putain. Allez, remake de la finale, Tortue Géniale contre Goku. Le double coup de pied sauté avec un KO à la fin. Moi tranquille, je voulais juste ramasser le tonneau. Oh là là, ça s'est beaucoup moins bien passé qu'à la première fois du coup. Hein. Le tonneau, c'est pas un bon plan pour ce boss. Non, j'ai oublié mon saut. Yes. Voilà. Ça passe beaucoup mieux sans le tonneau, sans le baril. Il y a beaucoup trop de Carmen là, qui m'attaque. Où est-ce qu'il part l'autre? Il retourne chercher de la dynamite? Mais il est vraiment parti le gars. Le gars il a jeté sa dynamite et il s'est barré. Ah, les décors sont cool. Franchement, c'est... Bon, c'est moins cool que Street of Rage sur Master System, hein, évidemment, mais... Franchement, ils sont super propres. Les animations sont bien. Seul problème, c'est vraiment les... Bah, tout ce qui est hitbox et combo, parce que putain, tu te fais facilement défoncer. Et il se rebarre. Allez, à moi la batte. Ah non, nouveau 10. Mais c'est abusé. Ça, c'est abusé par contre. C'est vraiment du mauvais goût là. Tu te mets des armes comme ça pour te faire disparaître un écran plus loin. Tenir cette vie le plus longtemps possible. Allez, voilà. De toute façon, les beat'em up, c'est tout en gestion. On gère le déplacement. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il a éternué ou quoi? On gère le déplacement des ennemis. Ok, c'est bon. Dans le jeu d'origine, c'est censé être quoi dans la caisse? Parce que je pense pas que c'est une caisse Sega sur la version NES et tout, donc...
tient mon point de vue, mine de rien, là. Oh non, ça j'aime pas par contre. Ok. Saute. Oh non! Et je suis invincible. Yes. Ah, et ça permet aussi d'éviter certains bugs. Bon après, tout n'a pas non plus toujours été réussi. Hein. Et un meuf qui se barre du coup. Allez, mission 3, je vais utiliser qu'un seul continu. Ok, eux ils sont nombreux là, va falloir que je fasse gaffe. Et j'ai pas d'endroit dans le décor où les bloquer pour pouvoir me les faire. Ah, mais j'ai loupé mon saut de nouveau. Et il tombe pas au premier coup. Oup, oup, oup. Oh là là. Ok, il y en a un qui est mort là. Oh là putain, il me défonce! C'est... Ok. Ce troisième niveau, il t'amène un pic de difficulté avec les ennemis qui tombent plus à tous les coups quand tu fais le coup de pied sauté. Ok, en moins pour celui-là. Mais... Oh putain, mais ils enlèvent trop de vie. Je dis un continu sur le tout premier passage de ce niveau, c'est abusé. Je peux pas juste speedrunner au travers des ennemis et continuer mon chemin. Oh putain, moi ça c'est abusé. Ah mais c'est ça, je suis en train de tout perdre là, juste sur ces quelques ennemis. Parce qu'ils tombent pas quand je fais le coup de pied sauté, du coup, ils me défoncent. Putain mais c'est... Une violence. Il meurt, mais... Reste à terre. Tu sais quoi, je... Allez, rien à foutre. Oh punaise, je peux pas avancer plus loin. Je suis obligé de les battre. C'est abusé. En plus maintenant j'ai l'autre là qui est descendu avec. Oh putain. Bon, j'ai une vie de plus que quand j'ai tenté ce saut.
Non, 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 pas de plongeon cette fois. Par contre, si eux veulent tenter... Mais non. Oh, un fouet. Oh non, ils ont tenté le saut et c'est passé. What? What? Mais non! Mais non, pas une deuxième fois, pas une deuxième fois, non. Bon bah Rassanos, hein, tu l'as eu ton plongeon. Oh bordel. Bon. Je vais pas refaire une troisième fois. Parce que ce troisième niveau, il y a un pic de difficulté qui m'a un peu écœuré, là, je dois dire. Par contre, les deux premiers niveaux se passent beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais, compte tenu de la réputation du jeu. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué hein, sur Master System, donc... Je me souvenais que le jeu avait été dur, et qu'il fallait spammer l'attaque le coup de pied sauté, mais à part ça... Ouais, non, mais franchement, vu le niveau de, pic de difficulté... En fait, le simple fait que les ennemis ne tombent plus forcément quand tu fais le coup de pied sauté, ça rend le jeu difficile, parce que derrière, bah t'es à leur merci, ils te défoncent juste, et puis... c'est tout. Ils te défoncent, et tu meurs. Du coup, là, bon ben... on va jouer à... Stallone et Schwarzenegger partent en guerre contre le monde. Début des années 90, la violence se répand dans tout le monde entier. Il y a des groupes terroristes internationaux dont le seul but est de terroriser, de massacrer des innocents. Les Nations Unies ont ordonné à deux vétérans de détruire le syndicat des méchants terroristes. Ben, c'était aussi simple, hein. Oh, ça a l'air simple. Allez John, vas-y John. On va jouer en facile pour le moment. De la jungle vers la prairie. Je sais pas trop pour qu'est-ce que tu fous dans une jungle, John, mais... Enfin, si, je m'en doute, mais... Ok, c'est un... C'est un genre de... De rail shooter ? Est-ce qu'on peut parler de rail shooter ? Pas vraiment, non. Putain, je peux pas... Comment je fais pour... Je peux pas... Pourquoi je peux pas gérer la profondeur? Attends, y'a un souci avec la manette ou... Elle est plus bien branchée? Allez, John Jackson et Jack Thomas. Mince, je suis plus sur... Bah, ok, plus rien qui réagit là. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce pas ça? Pardon, j'ai mis un coup dans la bouteille d'eau. Ok. Ah voilà. Et je peux toujours pas gérer la profondeur du tir, c'est pas... Comment c'est censé fonctionner pour... Putain, il y a plein d'ennemis là d'un coup. What? Et pourquoi les terroristes, ils ont droit à des vrais uniformes? Les terroristes, c'est pas censé se déguiser en civil normalement? En fait, c'est que quand... Ok, c'est que quand je tire que je peux... changer la profondeur de mon tir. C'est un peu stupide. Mince. Oh là là.
C'est pas... Quoi? Pourquoi il y a un personnage de manga là qui nous tendait la main à base de « Non, ne meurs pas !» Donc là, j'étais en facile. Et c'est vraiment pas dingue. Hein. Enfin, c'est... raisonnablement joli, je pense qu'on peut dire. T'as aucune possibilité de te dépasser dans la profondeur, ben si tu te retrouves acculé dans un coin et qu'on te tire dessus, tu pourras pas l'éviter. Ouf, tout juste. Ah! J'ai été touché, mais ça a validé, c'est bon. Ah oui, non, ça c'est... tout le monde. Déjà, là où on sait que c'est un jeu réaliste, c'est que le gars qu'on joue, il est torse-poil, avec juste son bandeau, son arme et ses couilles. Bon, les couilles, elles sont hors écran parce que sinon, même la Master System n'aurait pas assez de puissance pour l'afficher. En vrai, quand tu les vois courir comme ça sur le côté, les soldats, il y a un petit côté shinobi. Merde. Shinobi, le niveau bonus, hein, j'entends. Oh! Non mais t'es sérieux, tu perds les power-up aussi avant un boss, mais ça c'est insupportable. Mais tu veux que je fasse quoi là? T'as vu la largeur du sprite? Allez, il me faut reprendre où? Au boss. Boss, tu sais même pas où tu dois tirer. Je peux pas éviter ça. C'est stupide. Oh. Bim. Ouais, en beaucoup moins fun par contre, oui. Mince, il y a encore envie. Mais what? On n'est plus dans un film d'action américain là. On est dans Indiana Jones 4 là. C'est... Fuck. Ah non, j'ai été touché! Il meurt à la fin! Ok, il y a un morceau qui est mort. Les deux.
les terroristes qui ont assez d'argent pour investir dans la R&D, pour leur blinder et tout, qui peuvent se diviser en deux pour continuer à tirer plus longtemps. J'ai 10 bombes! Il faut que je teste ça dès que j'ai des ennemis. Ok, ça suffit même pas à tuer un hélicoptère en un coup, c'est un peu de la merde. J'aime faire toucher. Ah, et là, c'est la fin du niveau, et du coup, je perds de nouveau mon power-up. Bah, Jack Thomas, je crois que il est encore en vacances. Voilà. Des avions furtifs et tout qui peuvent monter comme si c'était des ovnis, hein. Moi je dis c'est pas des terroristes. Hein. Fuck. Et voilà. Ouais, je pense que c'est pas des terroristes. En fait c'est une invasion extraterrestre. Bon, je sais pas si j'ai des continues à l'infini, mais pour le moment on continue. Tant qu'on peut, hein, c'est comme pour Double Dragon. Ah, j'ai été touché en fait. Du curseur, il est quand même vachement long. Merde. Je sais pas si le jeu était jouable au flingue, mais si c'est le cas, il doit être beaucoup plus sympa que là. Et sinon... Et merde, je me suis fait descendre. Rappel, j'étais quand même facile, hein. Jusque là. Ouais, je me souviens pas du tout du nom de la version Master System japonaise par contre, donc. Bim! Là, je me sens bien maintenant. Ah zut, j'ai plus de munitions. De base, le curseur est tellement lent. Oh là là. Calmez-vous avec vos grenades, bande de grands malades. Qui sont. Ok. C'était un peu chelou la fin là. Avec les quoi 10-15 secondes où il se passe absolument rien.
Ah, on me tire dessus. Mais what? Mais ils sont quoi, le monde dingue? Non, mais c'est au contraire une très bonne stratégie de... Parce que là, ce que tu sais pas, c'est que pendant ce temps, t'as Jack Thomas qui est en train de s'infiltrer discrètement, lui, dans les bases ennemies. Là, c'est juste une diversion que je fais. Non, mais les gars, c'est abusé, ça. On y voit pas venir leur tir, en plus. Tu les vois au dernier moment et tu te déplaces tout doucement. C'est pas possible. Et je suis en facile. Ouah, foutez-moi la paix. Et voilà. Bon, bah, je pense qu'on va arrêter là, parce que je crois pas pouvoir passer ce boss. Je vais encore tester une fois, mais... Je pense que ce que je dois faire, c'est un truc du genre... comme ça. Non, non. Mais ouais, il y a beaucoup de trucs qui tombent dessus. T'as pas le temps de retirer dessus, t'as pas le temps de les esquiver. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas possible. Bon. Ah bon, ouais, c'est ça. La botte secrète de l'ONU s'est encore fait défoncer. Mais, pour rappel, il y a Jack Thomas qui, pendant ce temps, s'infiltre. Eh oui. Parce que là, évidemment, avec les sprites, on le reconnaît pas. Mais Jack Thomas, c'est le mec qu'on contrôle dans Zillion. Qui s'infiltre dans la base ennemie pour tout faire péter. Ah, d'ailleurs, il est là. Voilà. Jack Thomas avec... bon, il passe un peu de temps aux UV, mais c'est parce qu'il y a des extraterrestres, il était exposé aux radiations solaires et tout. Et il a sa nouvelle copine avec lui. J'ai pas, même pas fait gaffe au nom du jeu du coup. Double target. Ouf. Mais il y a plein d'ennemis. Mais ils sont dingues, ils réapparaissent au même endroit en boucle. Comment je passe? What? Ah, c'est la version japonaise de Cartel. Mais c'est super violent. Mais arrêtez d'apparaître dans mon... Mais c'est quoi, et tous les ennemis sont à tête chercheuse et tout. Leave me alone. Leave me... Et tu peux même pas descendre comme ça. Ça se passe pas très bien. Oh mais... Mais ils réapparaissent tout le temps. C'est abusé. Sergent Marie est décédé. Oh mon dieu, je suis vraiment pas allé loin pour le coup. Mais reste pas bloqué comme ça. Oh. Bon, par contre là pour le coup les sauts c'est pas tiens, c'est pas bien. On avance toujours de 8 pixels à chaque impulsion, c'est abusé. Je
Il va mourir. Mais tu te cognes au plafond! Mais c'est... Et voilà, et là je suis bloqué du coup. Ou j'arrive à remonter là-haut? Non, j'arrive à remonter. Oh là là, mais c'est horrible! Foutez-moi la paix! Et les ennemis qui popent juste au-dessus de ta tête alors que tu essaies d'attendre une fenêtre pour faire un saut. Vite, la sortie, vite, 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 vite. Oh punaise. Ah, merci pour le follow Smoke TMK. J'ai pas eu la notif. J'ai loupé ou... Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il n'y a pas... Bah si, elle est censée être visible. Ouais, c'est ça, juste devant... La sortie, se taper un game over, c'est un peu dur. Alors, un outil. Quadratoire. EA Sport. C'est le game. Voilà. Je l'ai beaucoup trop entendu ce truc sans comprendre ce que le mec disait. Et puis ils ont rajouté les sous-titres en dessous et du coup c'est... Le mythe a été perdu. Allez, allez. J'ai compris qu'il faut speedrunner ce jeu là. Ça sert à rien de vouloir faire du propre. Ou presque. Mais arrête de te cogner au plafond! Cours Marie, cours! Tu es presque à la sortie, cours, t'arrêtes pas! Qu'est-ce qu'il fait ce oiseau? Faut que je le tue? Comment je fais pour rentrer dans la sortie? Ah, une bulle me poursuit! Ah! Il me tire dessus. Mais c'est... Ça c'est illégal par contre. Ça c'est illégal. Meurs et laisse-moi prendre cette foutue sortie. Pourquoi il meurt pas? Mais... Mais je sais même pas comment on pouvait changer de personne. Oh. Oh, j'ai cru qu'il était mort le salaud. Il s'est mis à ralentir. Oh, il est mort. Yes. J'ai passé un niveau. Mais la violence! Ouf. Attends, on met pause. Est-ce que... J'avais cru lire un message... En arcade, des persos volent, là, il n'y a même pas assez de process. Alors, normalement, ça demande moins de process même de faire des personnages volants, parce que t'as pas à gérer la gravité ou quoi, donc... Pourquoi ils ont enlevé ça? Ah, mais... Oh, une sortie. Laissez-moi la prendre. Laissez-moi m'enfuir. Libérez-moi. Ah.
Mais c'est quoi tous ces ennemis là? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a une bouche qui me poursuit? Quand je pense à tout le bien que j'avais entendu de ce jeu, mais là je suis juste en train de me faire violer. Oh non. Eh mais attends, je vole là cette fois. Ça y est, je vole. Non, je vole plus. Ça y est, je vole. Non, je vole plus, je suis mort. Yes! Est-ce que la jeune fille réussira à rejoindre la sortie sans mourir? Non! Cours, 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 cours! Bon, faut avouer que. Qu'une fois qu'on vole, c'est quand même plus simple. Comment je fais pour re-rentrer dans. Mais laisse-moi tranquille. Et pourquoi il y a un œil dans la bouche aussi? Mais je veux juste aller dans cette foutue porte. Ah, je viens de réaliser que mon score sert de timer. Mais sérieusement, pourquoi j'arrive pas? Ah, je sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas. Mais... Ok, j'ai réussi à passer. Le jeu est sûrement bien, mais là, c'est... Les ennemis qui respawnent en quelques secondes... Jetpack. Oup. Mais regarde-moi ça, il réapparaît instantanément, c'est abusé. C'est illégal. C'est franchement illégal de faire ça. Arrête de réapparaître.
Eh bien, je suis game over. Ah. Après, le jeu est plutôt cool. Mais... Il y a des ennemis qui repopent à une vitesse. C'est... À limite, le temps de ta frame d'invulnérabilité. Et c'est bon. Ils sont de nouveau là pour te crever. Ah, même l'intelligence artificielle n'y arrive pas. Bon, bon, bon. Bon, encore faire Docteur Hello, jeu coréen qui me fait un peu peur. Et on garde les jeux suivants pour la prochaine fois. Au pire, on fera du Captain Silver. C'est ça, même dans les démos, ils font que perdre. Ah, Docteur Hello, c'est un vieux clone de Docteur Mario, d'accord. Bon, bah écoute. Alors par contre, je connais pas... Ok, faut... J'ai pas fait gaffe combien j'en ai mis 4. Non, zut. D'accord, ensuite il tombe. Ok. On va pas faire disparaître les rouges, sinon ça va encore s'effondrer. Non! Zut. Ok. Allez, file-moi du bleu. Ouais, il est un peu délavé, mais je pense qu'en vrai... Attends, c'est pas bon comme ça? Oh, punaise, faut les aligner. Oh non, 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 ça c'est la merde. Ça va être la merde du coup, par contre. Oh, faut faire un vrai alignement. Bon, bah écoute, hein. Faire comme ça. Voilà. Ouais, je pense que c'est une adaptation... Enfin, un port, mais pour la SG-1000. Vu le niveau de décoloration. Zut. Non. Pas s'arrêter. J'ai essayé, hein. J'ai mis tout mon cœur pour l'arrêter, mais... Est-ce que ça marche? Yes! Ok, ce côté, il est bon. Maintenant, bah... On va construire. Non. Zut. Non. Oh, mais je fais n'importe quoi, c'est abusé. Là. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à aligner des jaunes. Jaune, s'il vous plaît. Ah, mais Audi est sympathique. Franchement, c'est...
C'est pas désagréable en tout cas. Mais après, ça fait très puzzle game, donc c'est pas... Oh, mais non... Ok, ça c'est bon. Non! Mais qui est con? Mais qui est con? Allez, il disparaît celui-là. Ah, j'en crois un peu là en fait à me tuer. Faudrait un double bleu, s'il vous plaît. Une pilule double bleu pour le patient, s'il vous plaît. Le patient est en train de mourir. Ils veulent pas, hein. Je vais pas pouvoir sauver mon patient de son lupus. Médicament double bleu, bon sang. Bah ouais, vu que c'est remboursé par la sécu, faut en profiter, on bourre le patient là. Allez, ouais, je vais descendre d'un cran. Voilà, comme ça, et maintenant, ils vont m'en donner, je suis sûr. Bon, bah écoute, on va recommencer à construire. Voilà. Comme ça, ça s'est viré. Merde! Bon, c'est pas très grave. Le bazar là-bas, toi aussi. Non, mon patient n'a pas besoin de pilule jaune. Je vous dis que le patient n'a pas besoin. Mais. Pas de pilule jaune! Mario! Arrête ça! Ok, c'est bon. Pff. Quelle galère, c'est parce que je veux, vous pouvez me donner de double bleu. Hello Joe. Ah oui, mince, pardon, c'est hello. Le jeu plante quand on fait pause. Ah, ça a été le service. Mince. Sleeping? Quoi? Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'il me fait? Quoi? Ah d'accord, en fait c'est... Oh, c'est une autre touche pour faire pause. Oh shit, à ce point. J'ai vu les messages que vers 21h, donc... et j'avais trop vu pour rouler, pour le coup. Oh putain.
me sens mal, j'ai l'impression d'avoir vraiment lâché plus que je ne l'ai fait. Oh putain, j'ai oublié de changer le sens. C'est quoi, je vais mettre là, comme ça on élimine celui-là. Bah bon courage hein, si tu vois encore ça. Ça passe pas. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour quand même de ce jeu. Hein. Il n'y a aucun de plus me donner les médicaments dont j'ai besoin. Ah bah si, maintenant. On déblaye un peu, quoi finir le niveau. Je suis pas sûr de mettre aidé là en fait. Je crois pas, John Jackson coûtait trop cher pour apparaître dans le jeu. Ils ont dû le retirer avant la sortie. Alors... Est-ce que je peux tenter un truc de ce genre? Eh non. Et bon, ouais, plus que du bleu alors que j'en ai pas besoin. Ça, c'est pas un bon plan du tout ce que j'ai voulu faire. Ok, bon. Arrête avec tes piles bleues, Mario. Hello. Hello, pas Mario. Hello. Bon, on va arrêter. On va arrêter là parce que celui-là j'arrive plus. Hein. Allez, on va chercher le petit Captain Silver pour les 10 dernières minutes. Ok. Je me souviens pas qu'il y a des ennemis qui avaient cette tronche. Le chat, je m'en souvenais. Ah zut!
Eh ben merci pour le spoil, hein. Bon, c'est pas comme si j'aurais réussi à le faire, si j'avais insisté pour le finir un jour, mais... Mais non, la hitbox là. Bah. Pourquoi j'ai un écran noir? Ok. Les niveaux qu'ils ont enlevés, c'était des niveaux intéressants ou ils ont enlevé des trucs optionnels type ah bon, on va rajouter, enfin est-ce que la version cartouche standard est le jeu complet ou c'est avec deux niveaux ajoutés? Pourquoi il a pas tapé? Mais non, oh là là, je suis plus du tout concentré là. Je suis pas du tout là. Ok. Ah, parce que ça aurait pu être au contraire du coup. Que le jeu Sega My Card était le jeu complet en gros. Et qu'ils mettent deux niveaux bonus rajoutés un peu à la va-vite sur la cartouche complète. Oh mais non. Je n'y suis pas du tout. Allez. Mais non, mais... Non, mais la dernière fois, j'ai réussi à aller plus loin que ça, hein, mais... Oh. La fatigue n'aide pas, on va dire. Thank you.
Allez, concentration. Non! Non, 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 non. J'ai encore des vies, là. J'ai encore des vies. On arrêtera après ça. Enfin, quand j'aurai plus de vie. Meurs, meurs, meurs. Yes! Voilà ce qui arrive quand tu t'en prends pas John Silver. Y'a pas une sorcière aussi plus loin? Il me semble. Oh, ce passage, j'avais tellement galéré. Et voilà. Oh, je dois refaire ça. Ah non, c'est bon, il ne fait pas reprendre après. C'est juste qu'il me redonne le bonus. Ok, ok. Ah, la fontaine, elle est horrible. Hein. C'est... Parce que comme ils sont pas à la même vitesse, qu'en plus t'as le timer, t'es... On t'incite à te dépêcher. Ouais, mais j'ai pas assez d'argent, donc... Ouais, il me reste 11 secondes, là. Et la sorcière. Je me suis fait agresser de partout. Oh mais non, ça va pas toucher. Bon, on va s'arrêter là du coup. Alors, oups. On va juste rechanger. Voilà. Et du coup, c'est nous ici que ça... C'est... Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Tant que je stream pas, ça fonctionne très bien. Je peux aller traîner les scènes comme je veux. Et y a pas de souci. Et puis, dès que je stream, il me perd les fenêtres. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ce soir? On est un peu plus loin. Dino Basher, étonnamment sympa. Je comprends pas trop que... Enfin, quand j'ai regardé vite fait sur Wiki, apparemment ils l'ont annulé parce qu'ils ont eu donc le mauvais retour de... J'ai oublié, c'était quand même Magazine Sega Power. Qui disait que c'était pas bien, ils ont décidé de se concentrer sur les jeux 16 bits. Bon, jeux qui devaient sortir en 93, c'est pas non plus déconnant, mais... Le jeu a l'air plutôt fini et bien foutu, donc c'est un peu de con, je trouve. Dinosaur Dooley, c'est de nouveau le shmup beat'em up avec des soucis de perspective et tout qu'on avait testé dans un des premiers streams. Pour la découverte, éventuellement, mais c'est même pas agréable à jouer, donc je recommande pas. Doki Doki Penguin Land, c'est... Alors du coup, les niveaux ne correspondent pas du tout. Donc on peut pas parler d'un portage SG-1000, mais plus une genre de suite. Et... Bah, franchement, ça se joue bien, c'est beaucoup plus joli. La musique est aussi plus agréable. Et le jeu est surtout moins dur, en fait, pour le premier niveau. Sur SG-1000, on est vraiment encore dans l'esprit arcade, où on doit te faire crever dans les 30 premières secondes, allez, première minute. Là, on est beaucoup plus posé, c'est très agréable. Double Dragon. Les deux premiers niveaux sont beaucoup moins durs que dans mes souvenirs. Si on a un peu des... Enfin, si on a un peu l'habitude des beat'em up, c'est pas très dur, les deux premiers niveaux, honnêtement. Mais après, il y a le troisième niveau, où au début, on te met un pic de difficulté, et... Ben, on perd facilement deux continues juste sur le troisième niveau, quoi. C'est un peu abusé. Je pense qu'ils auraient dû lisser un peu plus la difficulté, mais bon. Double Hawk, c'est pas terrible. Alors, c'était quoi la semaine dernière?
Je crois que c'était Dick Tracy où j'avais un curseur qui se déplaçait en même temps que je déplaçais le personnage et c'était pas pratique. Mais là, à l'inverse, on peut pas se déplacer et déplacer le curseur en même temps. Ce qui pose problème parce que notre sprite est quand même très gros par rapport à Dick Tracy. Et on est lent. Donc je pense qu'il aurait fallu une touche qui permet soit de lock... Je pense qu'il aurait fallu une touche en fait. Genre, on a le bouton tir, et si on appuie sur le deuxième, quand on se déplace, ça déplace en même temps la visée. Parce que là, du coup, ça rend le jeu vraiment... C'est pas infaisable, clairement. Après 2-3 tentatives, j'ai pris le coup et ça allait. Mais du coup, ça reste très dur. Ça reste très dur, certains passages sont infects, on va dire. Et voilà. Double Target, Cintiano Nemoli. Donc apparemment c'est la version japonaise de Karte, si j'en crois Rastanos. Le jeu est super dur. Je sais pas s'ils ont revu la difficulté à la baisse pour la version européenne, mais si c'est pas le cas, faut s'accrocher. Parce que les ennemis qui respawnent en... Allez, je vais être gentil. Et gentil dans le sens, je leur laisse une bonne marge. S'ils respawnent dans les 5 secondes, c'est chaud, c'est chaud. Surtout qu'ils sont nombreux quand même, les ennemis. Alors bon, je pense que ça serait censé être un genre de jeu d'action, mais là, c'est plus un jeu d'action. Là, c'est un jeu de panique. Et le dernier qu'on a fait, j'ai pas de miniature, c'est Dr. Hello, qui est un clone éhonté coréen de Dr. Mario. Et je pense qu'il était à destination de SG-1000 plutôt. Vu les graphismes. Après, je crois pas qu'avec l'émulateur que j'ai, est-ce que je peux... Alors, on va juste voir si on peut... Genre si on peut forcer un mode option. Non. Gérer les options du cœur. Non, a priori, j'ai rien qui me permet de le faire lancer comme jeu SG-1000. Bon, après, le jeu est un fichier Master System, donc a priori. Mais ça n'empêche pas de le faire tourner en mode compatibilité SG-1000, donc voilà. Bon, ben, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Demain, c'est Shenron qui reprend. Je vais pas m'avancer pour la semaine prochaine, parce que, ben, si vous avez vu le passage de Joe Renard, ça a été la merde apparemment au boulot ce soir. Et j'ai vu les messages très tard, donc je sais pas si la semaine prochaine je serai dispo. Ça va dépendre de comment ça se passe. De toute façon, on vous tiendra au courant, et puis voilà. Allez, bonne soirée, et à plus. Ciao, ciao.